Bonjour, bonjour. Voici la démonstration du tour du comptage Eskimo. C'est une petite expérience sympathique que l'on va faire avec quatre petites colonnes sur lesquelles vous pouvez constater qu'il y a des chiffres comme ça de noter. Et suivant que l'on assemble les colonnes dans un ordre ou dans un autre, ça va donner effectivement des totaux différents puisque les chiffres vont pouvoir changer suivant que l'on tourne la colonne et ainsi de suite. Dans un premier temps, on va faire l'expérience avec simplement deux colonnes. Je vais vous demander, jeune homme, de choisir deux colonnes, celles que vous voulez, de les mélanger pour assembler, faire une colonne comme ça, avec... Moi, de mon côté, je vais faire une petite prédiction que je vais noter ici. Hop, hop, hop. C'est pas facile d'écrire quand il n'y a pas de support. Et je vais mettre ici la prédiction sous le... Sharpie. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire le total, l'addition des chiffres que vous avez notés. Alors, on va regarder ici. 43. Si on fait 43 plus 67 plus 29 plus 88, cela nous donne un total de 227. Et si l'on regarde ici ma prédiction, nous avons effectivement... 227, mais on pourrait dire que je suis très 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 fort en calcul mental et que du coup j'ai pu faire très rapidement l'addition. On va le refaire simplement avec maintenant les quatre colonnes. On met carrément les quatre. Vous allez mélanger comme ça pour faire un nouveau. Je vais mettre à zéro ici pour qu'on refasse. Et moi je vais prendre un autre papier pour évidemment refaire une deuxième prédiction. J'essaie d'écrire un petit peu mieux que la première fois. Tac, on va essayer de les mettre dans le même sens. C'est quand même mieux. Hop. Alors. Donc on est d'accord que là, il faudrait vraiment que je sois extrêmement doué en calcul mental pour pouvoir faire l'addition de tête de 4 nombres à 4 chiffres chacun. Maintenant, si l'on regarde ici, on a bien remis à 0. J'ai 2967 plus 7442 plus 3826 plus 9589, ce qui nous donne un total de 23824. Suspense. Est-il doué en maths à l'école? La réponse est non. N'empêche que j'ai bien ici un total de 23 824.